Editorial y librería Herder presenta Approach Semiótico de Peirce al Psicoanálisis, a cargo de Rosmarie María Kaffelman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22 de la editorial. Jean-Claude Molinier, psicoanalista y autor del libro American Skeleton o El Otro Imaginario de C.S. Peirce, se trata de un approach semiótico al psicoanálisis, tratando de releer momentos esenciales de la elaboración de Jacques Lacan. La escritura del libro fue suscitado por los intercambios al seno de un grupo de analistas de la región de Marsella y en relación con Clinic Zone, grupo compuesto o no por miembros de l'École Lacanienne de Psychanalyse. Une approche sémiotique de la psychanalyse, problématisant avec Jean-Claude Molinier. Psychanalyste et auteur du livre American Skeleton ou l'autre imaginaire de C.S. Peirce, concernant une approche sémiotique de la psychanalyse et essayant de relire des moments essentiels de l'élaboration de Jacques Lacan. L'écriture du livre a été suscitée par les échanges du travail au sein d'un groupe d'analystes de la région marseillaise et en relation avec Clinic Zone Group, composé ou non de membres de l'école lacanienne de psychanalyse. Je pense que vous êtes en train de faire un travail très intéressant. J'ai ici votre livre. Je ne sais pas si... Oui. Voilà. J'ai déjà lu plus de 150 pages. C'est un livre compliqué. Je pense que c'est pour des gens qui connaissent déjà l'œuvre de Peirce. Et moi, je connais très peu de Peirce. Je connais la base, l'essentiel, mais rien de plus. Mais de toute façon, j'ai continué à lire votre livre et je le trouve chaque fois plus intéressant. Et je pense que c'est un de ces livres qu'il faut lire une fois, deux fois, trois fois. Et petit à petit, les choses viennent, disons, font un sens petit à petit, à mesure qu'on lit. Oui, c'était... En fait, ce n'était pas mon but. Je voulais rendre simple, justement, l'œuvre de Peirce, qui est monumentale, qui est colossale. Et en fait, en choisissant une voie d'entrée très, très précise aussi, c'est la dimension esthétique de l'expérience chez Peirce. Parce que, d'abord, parce que, sur le plan... c'est un choix épistémologique, si vous voulez, par rapport à ma propre pratique de psychanalyste. Donc, c'était essentiellement par rapport à ça que j'ai cherché une voie d'entrée chez Peirce pour aller plus rapidement vers la sémiotique dynamique de Peirce. Parce que c'est ce qui m'a intéressé au regard de ma pratique. Et notamment sur la partie finale, vers la partie finale où il s'agit surtout de la dimension esthétique, mais de la fonction poétique de la langue. Voilà. C'était en relation aussi avec ce qu'avançait au moment des dernières Clinic Zone, vous l'avez entendu, sur l'analysant est poète, quoi, quelque part. Et donc, c'est dans. Mais enfin, bon, ça s'est rejoint. On s'est rejoint là. Avec moi, je travaille depuis pas mal d'années quand même sur la question du signe dans la psychanalyse, sur l'approche sémiotique de la psychanalyse de Lacan essentiellement, mais de Freud aussi, parce que Freud était quand même très, très versé vers la poésie quelque part. Et oui. Sur la question du signe, je le trouvais beaucoup, très pertinent par moment, Freud. Alors que Lacan, mais j'ai eu de gros problèmes avec mes collègues ici à Marseille, en tout cas, parce que ça ne passait pas, la question du signe. Ils étaient vraiment sur la théorie du signifiant. Et la théorie du signifiant, ça, c'était une mauvaise entrée, quoi, par rapport à Lacan, pour moi, en tout cas. Donc, j'ai surtout pris le Lacan d'après les années 70, 68, 70, là. À ce moment de bascule de l'enseignement de Lacan, où certains élèves ne suivaient plus et où ils sortaient de la théorie du signifiant sans trop le dire. Ça, c'est le style Lacan. Ils ne voulaient pas trop l'afficher. Mais bon, c'était pour sortir. Si vous voulez, le signifiant, c'est une logique binaire, hein, alors que le signe, selon Peirce surtout, est une logique triadique, ternaire.
Et Lacan a beaucoup de mal à passer de la logique binaire à la logique ternaire de son RSI, de son réel symbolique imaginaire. Et donc, j'ai essayé de trouver une piste à travers Peirce. Mais parce que Peirce, bon, j'avais fait, il y a très longtemps, j'étais en doctorat de linguistique et je travaillais sur la sémiotique, mais il y avait très, très peu de sémioticiens en France actuellement, à cette époque-là en tout cas, et même actuellement, je crois. C'était surtout la sémiologie structurale, si vous voulez, dans la linguistique saussurienne, qui prenait tout dans la logique binaire du signifiant, différence, opposition, différence oppositionnelle, etc. Et donc, j'ai voulu prendre ce fil de la sémiotique, dynamique à travers la dimension esthétique de l'expérience, qui me paraît essentielle chez Peirce. Et c'est pour ça que je suis arrivé essentiellement, enfin, le cœur du travail, c'est aussi d'arriver à la question de l'hypoïcone. De l'hypoïcone, et notamment de l'hypoïcone métaphore, évidemment. Il y a l'hypoïcone image, et l'hypoïcone diagramme et l'hypoïcone métaphore. Et c'est elle qui m'intéressait parce que de là, on attrape vraiment la fonction poétique de la langue à travers l'hypoïcone métaphore. Et dans le livre, je fais une relation entre l'hypoïcone métaphore qui repose sur un parallélisme et le parallélisme chez Jacobson dans ses écrits sur la poétique. Ça s'appelle écrit question de poétique, voilà. Question de poétique de Jacobson. Donc, c'est la notion de parallélisme qui m'a retenu beaucoup lors de. Malheureusement, vous n'y étiez pas. Vous étiez déjà retourné à Mexico à ce moment-là. Ça m'a retenu beaucoup dans la mesure où ce qui était présenté au niveau du film, c'était une épiphanie de Joyce. C'est la nouvelle The Dead en anglais de Joyce qui concerne une épiphanie, très très belle épiphanie d'ailleurs. Et donc on peut l'analyser à travers la métaphore de Peirce. Et dans mon livre, il y a une critique aussi de la façon dont Lacan analyse l'équivoque. Et donc dont Lacan a changé. Sa position par rapport à la métaphore, si vous voulez, au cours de son enseignement, dans la mesure où il est d'abord parti de la métaphore substitution, tout simplement, alors que Freud parlait de condensation et non pas de substitution. C'est complètement différent. Et donc j'essaie de rejoindre la question de la condensation de Freud avec la métaphore de Peirce. Et ça m'a permis, lors du dernier workshop à Paris, d'articuler ça avec l'épiphanie de Joyce, avec la théophanie de Klossowski. J'ai essayé de faire ça. Bon. Quelle est la l'épiphanie de Joyce dans ce film? L'épiphanie de Joyce, c'est. Vous connaissez la nouvelle de Joyce? Non. The Dead? J'ai vu hier le film, mais j'ai pas compris. Alors, en fait, le film, ce n'est même pas une adaptation, ce n'est même pas un scénario, c'est une lecture. Hein. C'est une lecture. Hein. Il y avait une critique d'art dans les Cahiers du cinéma en France qui avait dit à ce moment-là que Huston lisait un texte aimé. Il était profondément en relation avec ce texte de Joyce et il a fait ce film, je crois qu'à la fin du film, il est mort 8 jours après le film, Huston. Et donc, il fait ce film parce que ce texte il était très attaché à ce texte. Et en fait, il écrit, moi je dirais ça comme ça, si vous voulez, il écrit avec la caméra carrément le texte de Joyce et nous le lit. Et c'est ça qui est très, très remarquable, qui est remarquable dans ce film, c'est que c'est une lecture du texte de Joyce avec une caméra, avec le son, la musique, les images, les couleurs, etc. Et donc, on peut mettre, si vous voulez, ce qu'on peut voir, parce que la métaphore de Peirce, elle est construite sur un parallélisme.
c'est pas une analogie entre les choses, hein, entre deux choses, par exemple, entre deux relats. C'est un parallélisme dans un troisième terme qui n'est pas là encore, qui est purement potentiel. C'est-à-dire que le but de la métaphore, c'est de faire surgir progressivement ce troisième terme qui est purement potentiel pour établir le parallélisme. Parce qu'il n'est pas d'emblée le parallélisme. Il faut l'établir à travers une médiation, ce tiers terme qui fait médiation. Et dans le film de Stone, on voit très bien tous ces parallélismes qui se forment dans le film entre les couleurs, les sons, la musique, hein, les mots, parce que les mots n'importent pas comme signifiant, les mots tracent une esquisse progressivement d'une personne disparue, si vous voulez. Et l'épiphanie finale, c'est quand la jeune femme est en haut des marches, hein, et qu'elle est traversée par la musique, la chanson, et qu'on voit qu'elle est ailleurs, qu'elle pense à quelque chose. Et ensuite, ça se conclut à la fin du film par le moment où ils sont dans la chambre. Lui, il s'appelle Gabriel, avec sa compagne, ils sont dans la chambre. Elle finit par lui dire, hein. Alors à ce moment-là, il est pris d'un désir pour sa compagne, mais elle finit par lui dire ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est qu'elle se souvient d'un jeune homme de 17 ans qui est mort à 17, 18 ans. Il est mort à 17 ans. Et donc, elle se souvient de lui. Elle ne parle jamais, elle n'emploie jamais le terme. J'ai le texte en anglais aussi. Je l'ai commandé, là, je l'ai, le texte, pour voir si c'était vraiment ça ou si ça avait été mal traduit avec la traduction de Aubert. Et il y a, en aucun cas, elle ne prononce le mot amour. Ne prononce jamais le mot amour. Donc, c'est une épiphanie de l'amour, si vous voulez, mais sans prononcer jamais le mot. Elle ne dit pas que ce garçon l'aimait ou qu'elle aimait ce garçon. Elle dit, il est mort pour moi. C'est tout ce qu'elle dit. Et donc, son mari, à ce moment-là, son compagnon, en tout cas, je ne sais pas si c'est son mari, mais son compagnon subit une forme de dépersonnalisation. Il se sent à côté de cette femme comme il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à côté de cette femme pendant des années alors que je ne la reconnais plus là. Ce n'est plus elle. Et donc ce n'est plus moi non plus. Et donc il disparaît carrément. Il y a une dissolution, comme le dirait Klosowski, d'identité. Il y a une dissolution de son identité. Et il saisit l'amour à travers une forme de dépersonnalisation. C'est-à-dire, sans l'éprouver lui, il éprouve sous une forme dépersonnalisée ce que peut être l'amour pour une femme. Une femme qui sa compagne. Il ne reconnaît pas son visage, il ne reconnaît plus rien, ni même lui-même, il ne se reconnaît pas. Il y a une dissolution de l'identité, dit Joyce, dans le royaume des morts et des vivants, de tout ce qui a disparu. De tout ce qui a été construit, solide à un certain moment, puis qui a disparu. Et donc, et là, c'est la neige qui tombe sur toute l'Irlande et qui vient. Je trouve que c'est une merveilleuse épiphanie de l'amour. Et ça se laisse effectivement saisir à travers la métaphore de Perse, pour moi. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer ce jour-là. Mais comment peut-il savoir que c'est l'amour de la femme? Comment peut-il savoir que c'est l'amour de l'autre personne? C'est pas l'amour. Ce qu'il dit exactement dans le texte, c'est il saisit, mais lui, il est dépersonnalisé à ce moment-là. Il y a une perte d'identité de sa part. Oui. Il y a à la fois la dissolution de l'identité de sa compagne et à la fois sa propre dissolution de l'identité, si vous voulez, sa propre le moi dissous, comme dit Gilles Deleuze. Il parle de moi dissous. C'est le moi dissous
Et il saisit ce qu'est l'amour pour une femme, mais de façon dépersonnalisée. C'est pas l'amour de cette femme-là, c'est pas l'amour de lui pour cette femme, c'est pas l'amour, c'est l'amour d'une femme. Il saisit ce qu'est l'amour d'une femme sous une forme dépersonnalisée. Je sais pas Et pour... si je m'explique bien, mais c'est difficile à expliquer, en Ouais. fait, le truc. Et pour moi, c'est la, si vous voulez, la métaphore, selon Peirce, elle concerne les mots, elle concerne la littérature, elle concerne, enfin, le poème au sens littéraire du terme. Mais au-delà, c'est une dimension esthétique qui peut concerner aussi l'écriture cinématographique, comme l'écriture avec des images, etc. Donc, ce n'est pas uniquement de la poésie au sens littéraire, si vous voulez. C'est une forme esthétique, hein, qui peut être prise dans l'image, dans la musique. D'ailleurs, l'importance de la musique est là, est très, très est remarquable, là. Je peux reprendre d'une Oui, forme. parce que je ne sais pas si je m'explique très bien. Comment pouvez-vous dire d'une femme? Comment peut-il savoir que c'est l'amour d'une femme? C'est le mot femme qui me fait du bruit là. L'amour d'une femme, parce que il le dit comme ça, c'est dans la mesure où c'est dépersonnalisé aussi, on peut dire comme dirait Klosowski, comme disait Klosowski d'ailleurs, ni homme ni femme. Ah bon, alors, mais ça c'est différent. Oui, c'est différent, oui. Oui, là, c'est, si vous voulez, l'amour d'une femme, oui, il le personnalise d'une certaine façon en disant l'amour d'une femme. Mais c'est l'amour d'une femme, c'est l'amour tout court, quoi. Que ça soit D'accord. un homme ou une femme, ça ne change pas grand-chose, là. On peut la qualifier de femme, mais c'est une épiphanie de l'amour, tout simplement. Ça serait un homme, ça pourrait être l'amour d'un homme, l'amour de... Oui, mais c'est justement l'essentiel dans ce que vous dites, c'est un point très important qu'on retrouve chez Klosowski, dans le simulacre de Klosowski, où... Vous connaissez les écrits de Klosowski, les lois de l'hospitalité, avec la révocation de l'édit de Nantes, Robert ce soir et le souffleur. Ensuite, mais c'est surtout Robert ce soir. Donc Robert ce soir, c'est pour lui, c'est le signe unique. Mais ce n'est pas Robert, sa compagne. Qui s'en défendait d'ailleurs, qui disait, moi je m'appelle Denise, je ne suis pas Robert. C'était son troisième prénom, Robert. Donc, si vous voulez, c'est là aussi la question de l'identité, de la dissolution de l'identité. Et Klosowski ira jusqu'à dire, c'est ni homme ni femme, quoi. Robert, c'est le nom d'un signe, c'est le signe unique pour lui. Il dit, je suis monomaniaque de ce signe. Ça rejoint l'épiphanie de Joyce au niveau de la dépersonnalisation de l'amour, si vous voulez. Enfin, il me semble, en tout cas. C'est-à-dire ce point de dissolution de l'identité qui est ce point aimé ou désiré, mais qui est, à dernière analyse pour Klosowski, puisqu'il y aura l'adolescent aussi, puis le Baphomet, c'est-à-dire. C'est ni homme ni femme, en fait. C'est D'accord. alors là, on se rapprocherait plutôt de la question de l'objet en psychanalyse. C'est-à-dire que l'identité dernière disparaît dans l'objet. L'objet a une singularité quelconque pour quelqu'un, mais c'est ni homme ni femme, quoi. C'est ce qui est en cause au niveau de l'objet. D'accord. Enfin. M'a proposé d'écrire quelque chose, en tout cas, sur Klosowski, sur Joyce, l'épiphanie, la théophanie de Joyce, en rapport avec la métaphore de Peirce. Donc, pour D'accord. réexpliquer cette question de perte d'identité. Je voulais vous... Comment on pourrait en parler autrement? Je ne sais pas, on peut en parler autrement aussi à travers, par exemple, ce... la thèse de Gilles Deleuze dans Différence et répétition.
c'est la répétition de la différence, en fait, qui fait l'unicité de l'être. Elle est dans la pure différence. La pure différence qui est une différence intensive. Intensive et non pas extensive, mais intensive. C'est pour ça que dans, chez Klosowski, on retrouve toujours cette question de l'intensité. L'intensité, c'est là que se dissout l'identité, justement. Et donc, articuler ça, bon, c'est un peu difficile. Là, je le fais comme ça, un peu hardiment. Mais... Bon, parlez, allez-y, parlez vous-même. Je voudrais vous faire une question très, très basique. Essentiel, que c'est comment, de quelle manière la sémiotique, celle de Peirce, en concret, oui. enrichit la clinique psychanalytique. Ah là, c'est une sacrée question. Parce que ça... Je ne sais pas si ça enrichit la clinique psychanalytique. En tout cas, le but, pour moi, c'est parce que je fonctionne comme ça aussi, c'est de mettre en relation des auteurs comme Lacan, Peirce, etc. Lire les deux, c'est-à-dire les mettre en relation. Ce que je fais dans, ce que j'essaie de faire dans le livre au niveau de la disjonction symptôme-symbole, vous savez, dans le symptôme de Lacan, les mettre en relation. Pourquoi? Parce que je lis, j'arrive à lire Lacan avec Peirce, si vous voulez. Parce que le lire comme ça, je ne sais pas qui arrive à le lire comme ça, il y a des passages illisibles chez Lacan. Et quand je tombe sur quelque chose d'illisible, je m'acharne dessus pour arriver à le lire. Et là, Peirce m'a beaucoup aidé pour lire Lacan, si vous voulez. Alors, je ne dirais pas comme, comme certains analystes que ça n'a rien à voir avec la pratique. Au contraire, pour moi, ça a beaucoup à voir avec la pratique. De quelle manière? Oui. J'entends dans une équivoque. Alors là, j'ai essayé de l'expliquer dans le livre, ça. Au lieu d'entendre dans une équivoque... un terme qui vient se substituer à l'autre et qui donne un autre sens donc, à ce que la personne dit, moi, il me semble plutôt que les deux sens subsistent, mais ce n'est plus la question de sens, c'est la mise en parallèle d'une équivoque dans deux termes, comme les noms du père et les noms du père, l'exemple que je prends. Ça se lit, quand on le lit, on voit la différence. Et donc, ça fait un signifié différent. C'est la lecture qui fait le signifier, en fait. Mais si vous maintenez les deux, ça fait un espace entre les deux qui peut être pris dans le sens de la métaphore de Peirce, justement. Il y a une différence intensive entre les deux, les noms du père et les noms du père. Et ça peut provoquer une condensation homophonique, évidemment, comme ce qui se passe hein, de fait. Quand on entend les noms du père, il y a une condensation homophonique. Et s'il y a un effet à travers une équivoque au niveau de l'analysant, c'est un effet que je peux saisir moi-même aussi. Et un effet indicible, parce qu'on ne peut pas dire ce que ça, que la condensation va provoquer. C'est exactement comme dans l'épiphanie. On ne peut pas dire ce qu'il en est de l'épiphanie. On est touché ou on n'est pas. Et là, en ce sens... si vous voulez, je réintroduirai, moi, pour ma part, la question de l'affect dans la clinique psychanalytique. La question de l'affect. Est-ce que vous, analyste, vous êtes affecté ou pas? Voilà. C'est tout. Moi, il me semble que, pour moi, je suis affecté par ce qui se passe dans l'analyse. Avec, par mes analysants, ou avec, ou entre les analysants et moi. Il y a des moments où je suis affecté et curieusement aussi, on peut se rendre compte que l'autre aussi est affecté. Mais c'est incommunicable, en fait. Pourquoi on est affecté? Bon. Mais alors, quand Lacan dit que l'analysant est un poème, est un poète, moi je dirais plutôt que c'est presque un poème, quoi, quelque part.
C'est comme ça que je l'entends, à travers cette poésie-là, qui est de l'ordre de l'épiphanie, oui, finalement. Mais que vous en dire plus, je ne sais pas, parce que c'est une question d'affect, pas de sens. En fait, ce qui me paraît important dans la fonction poétique, c'est justement qu'il soit dans l'analyse ou pas, parce que la fonction poétique appartient à la langue. Elle appartient déjà à la première langue, la langue maternelle que parlent les enfants. Elle est là, la fonction poétique. En fait, c'est pas la peine d'aller chercher les grands génies de la poétique. Mais évidemment, elle est aussi chez les poètes. Mais elle est déjà là chez les enfants, elle est déjà là dans la langue maternelle que vous parlez, Oui. que nous parlons dans le Oui, cabinet. tout à fait. Oui. C'est là que je pense. Alors, quand j'ai cherché l'épiphanie de Joyce, chez Lacan, bah, il se contente de quelques lignes dans le séminaire sur le symptôme pour dire l'épiphanie. En gros, c'est à la place du symptôme de Joyce. Donc, c'est du mental, c'est de l'ego, il parle d'ego, etc. Mais en fait, il y a une définition de l'épiphanie par Joyce que donne Auber. Lors du séminaire de Lacan, c'est Auber qui donne cette définition, qui se décompose. Pour une part, c'est la réalité. Et alors là, c'est très intéressant parce qu'on voit ça chez Joyce. C'est la réalité la plus ordinaire qui soit, justement. C'est-à-dire les mots, les pauvres mots qu'on emploie comme ça dans la vie la plus quotidienne. C'est pas des mots, c'est les pauvres mots qu'on emploie, les pauvres gestes qu'on fait, les pauvres. Et ensuite, de ça, comment dire, il rend manifeste la fonction poétique de ces pauvres mots, justement. Et ça me paraît très en rapport avec notre pratique aussi. Alors Lacan, il en parle en termes très théoriques de ça, mais bon, ça dit rien. Mais par contre, Auber en parle beaucoup mieux de l'épiphanie de Joyce, chez Joyce. Ce qu'il faisait de l'épiphanie, parce que Lacan n'en dit presque rien. Quelle est la fonction de l'épiphanie chez Joyce? Il n'en dit presque rien. Sinon, à la rabattre sur le symptôme de Joyce, c'est-à-dire sur son écriture. Quand vous dites, par exemple, que ces deux, au nom du Père et les noms du Père et les noms du Père, Oui. et qu'il y a un troisième terme relié entre les deux, ce serait lequel dans cette homophonie? Alors, qu'est-ce qui se produit dans cette homophonie? Selon ce que peut en indiquer l'analyste, parce qu'il ne peut pas faire autre chose que de l'indiquer quand ça se produit l'équivoque dans la science analytique. L'équivoque, entre autres, parce qu'il n'y a pas que l'équivoque qui fonctionne comme ça. Il y a la paronomase, les anagrammes, etc. Mais, si vous voulez, quand on indique ça, qu'est-ce qui va se produire sur ce troisième terme? C'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre au niveau de la métaphore de Peirce. C'est-à-dire que la métaphore utilisée dans un sens scientifique, donc l'abduction, en fait, c'est l'abduction, c'est-à-dire une logique, mais purement imaginaire, c'est ça qui est important, en fait, la logique mentale, imaginaire. À laquelle Lacan n'a pas donné toute son importance, même s'il parle à la fin de la débilité mentale, etc. Il reconnaît que son neuromyène, c'est mental, que son symptôme, c'est du mental aussi, mais il ne donne pas sa place à cet imaginaire, justement, qui est la question de l'autre imaginaire de Peirce, justement. Alors, le mental, la métaphore, donc, elle est aussi. Comment dire, elle est utilisée de façon imaginaire dans la recherche scientifique, dans l'invention scientifique, puisque on pense que actuellement il n'y a pas de création ou d'invention possible sans abduction. C'est l'abduction mentale, donc c'est l'imaginaire là qui domine.